Et continue l'autre. L'autre ici, c'est une réunion des croyants. Je ne sais pas quelle période, parce que quand mon mari me dit ceci, je ne sais pas quelle période ceci se situe. Parce que j'ai vu, ça c'est toujours le 4 janvier 2021. J'ai vu des gens se réunir, ça c'était des chrétiens, des gens réunis, des croyants en un lieu. Les uns et les autres étaient tristes de ce que la parole de Dieu était extrêmement rare. Voilà comment il peut mettre cela. Était extrêmement rare. Pas que la Bible était. Pas que la Bible. Il y avait la Bible. Mais c'est comme s'il n'y avait pas l'engouement. C'est-à-dire que lis la parole. Quand tu lisais ça, il n'y a pas d'intérêt. Il y a pas. C'est comme si vous avez. Il y a la nourriture là-bas, mais ça n'a pas de goût. Je ne sais pas si vous comprenez. Les croyants se conduisaient selon leur interprétation et leur pensée. Il ne sait pas quel période ça se situe. Dans ce rassemblement dont je suis en train de parler, le Saint-Esprit dit, il y a des gens qui sont avec la pornographie à l'intérieur. Ils se rassemblent. Par conséquent, ils pouvaient se délecter de n'importe quoi, ce qui les venait pour les entretenir. Il dit qu'il y a des gens qui sont avec même la pornographie sur eux. Vous y êtes? Vraiment une époque vraiment triste. Je ne sais pas quelle époque ceci a. C'est pour ça que si vous avez nous avons l'opportunité aujourd'hui de travailler et que le Saint-Esprit met son scellé dans notre cœur, travaillons-y. Ah, il y a même une parole de l'Écriture qui dit que l'homme vient sur la terre où Dieu va envoyer une famine. Pas la famine de la nourriture, mais la famine de la parole. Merci, Père. Vous voyez cela? Donc, c'est un moment. La période, si je l'ai vue, et c'était triste parce qu'il n'y a rien qui était soutenu par la parole. C'était l'intellect qui avait pris la scène. N'importe quoi, c'était l'intellect. Il n'y a pas l'engouement pour la parole. Et donc, les gens pouvaient vivre n'importe comment. C'est bon.